En passant en revue les divers modes d'utilisation, de récupération, de détournement par les prédicateurs de cette culture commune à tous, sinon à strictement parler populaire, que constituent les chansons de danse, citées dans certains sermons, servant de thème à deux sermons latins, etc., nous avons terminé par le cas d'une moralité, comme le poème s'appelle lui-même, en vers français, autour, qui prend pour thème un rondeau dans lequel une mère interdit à sa fille d'aller danser, comme dans la célèbre chanson sur le pont du Nord, un bal y est donné. Et nous avons constaté que ce poème ne se livre pas, comme les deux sermons latins qui ont pour thème un rondeau de danse, ne se livre pas à l'exercice de virtuosité qui consiste à tirer un sens allégorique, mais allégorique au sens strict, un sens spirituel de ces chansonnettes particulièrement profanes et parfois voire immorales, donner la permission d'aimer à la dame mal mariée. Et donc on tire un sens allégorique de ces chansons en les appliquant à la Vierge ou à Sainte Marie-Madeleine, ce que j'appelais un jeu sérieux, parce que c'est un jeu, c'est une sorte de divertissement de clercs, mais sans irrévérence. Et ce jeu même un peu provoquant, on le met comme au service de l'intention édifiante. Donc ce n'est pas cela que fait cette moralité. Elle se contente de tirer du rondeau un sens moral, un sens tropologique, en rapport avec le sens du rondeau, il ne faut pas aller danser. Mais nous avons vu aussi que malgré sa langue, bien que ce soit un poème français, malgré l'usage un peu élémentaire qu'elle fait du thème de la psychobaquie, du combat des vices et des vertus, hérité de Prudence et qui nourrit une si grande partie de la littérature en langue vulgaire de cette époque, malgré tout cela, ce poème s'adresse à des clercs ou à des lecteurs qui vivent essentiellement au contact des milieux ecclésiastiques. Et il y a un élément que nous avions relevé et qui le prouve, c'est que le poème ne dénonce les ravages de la luxure que chez les moines, les nonnes, les ermites, les clercs, les prêtres. Il n'envisage la luxure qu'en milieu ecclésiastique. Alors, cela correspond bien à une certaine tournure d'esprit ou à l'esprit de certains textes qui considèrent en effet que certaines catégories d'ecclésiastiques sont particulièrement menacées par ce péché, comme les prélats sont plutôt menacés par la cupidité, les chevaliers par la violence, etc. Dans des revues des États du monde, je citais le livre des manières d'Étienne de Fougères dans ce style. Mais enfin, tout de même, tirer une moralité d'un rondeau de danse dans lequel une mère interdit à sa fille d'aller danser et lorsqu'on en vient à la luxure qui n'apparaît que à sa place dans la liste des péchés capitaux incarnés par les jeunes gens qui constituent le danger de la danse aux yeux de la mère, quand on en arrive à la luxure, tout ce qu'on dit de la luxure, c'est que la luxure tire les ermites de leur ermitage. Il y a un conte de la vie des pères fameux là-dessus, dont nous avions parlé mais il y a près de 20 ans, ou plus de 15 ans. Il y a... La luxure fait sortir du droit chemin et les moines blancs et les nonnes noires, etc. Bon, cela montre, dit tout de même, quelque chose. Et sans être en elle-même absolument décisive, cette constatation nous a conduit à nous interroger sur un public non pas vraiment de simples, mais un public intermédiaire entre les simples et les savants, public de certains des textes que nous pouvons envisager. L'opposition entre les simples et les savants, ou entre les simples et les hautes classes de la société, ne suffit pas, disions-nous, en terminant la dernière fois. Il y a un monde intermédiaire qui n'est pas le monde des simples au sens social du terme,
qui n'est pas exactement un monde d'ignorants. Il y a encore des places, là, je vois, l'amphi n'est pas si plein que cela. Pardon. Ce n'est pas un monde d'ignorants, mais c'est un monde dont les compétences intellectuelles sont plus limitées et les besoins intellectuels plus limités aussi que ceux des gens de savoir, comme dit Jacques Verger. Là. Et ce public intermédiaire, enfin l'expression est un peu maladroite, assure une sorte de continuum culturel au-delà de toutes les ruptures sociales et les relie au monde des vrais simples. Ils dansent en chantant les mêmes chansons, ils connaissent les mêmes textes. Et en même temps, il y a un continuum intellectuel, malgré leurs limites, qui les relie au monde des savants. Ils savent qu'un commentaire se doit de dégager un sens second et non pas seulement de paraphraser le texte. Voilà. Ce public maîtrise certains des raffinements de la poésie en langue vulgaire qui lui est familière, mais il a aussi besoin de ces raffinements, il a besoin du support de ces habitudes qu'il a de la littérature en langue vulgaire pour que l'abstraction de la pensée développée dans le latin des savants lui soit accessible. Il faut que cette abstraction soit en somme monnayée sous les formes que prend la littérature vernaculaire. Alors, ce public intermédiaire, c'est celui, enfin ça n'a rien d'original, ça n'a rien de rare, c'est le public d'une très grande partie de la littérature du temps et de toute cette littérature religieuse, en particulier toute cette littérature religieuse en langue vulgaire qui est si abondante. Donc, on le trouve dans le monde aristocratique, tous ces destinataires de textes religieux. On le trouve dans celui des marchands. J'avais cité, bien que ce soit des personnages littéraires, mais enfin, ils correspondent à quelque chose, le couple formé par le marchand Evaste et sa femme Alom au début du livre d'Evaste et de Blackern de Raymond Lull. Ce n'est pas une catégorie marginale, c'est, si on peut dire, le cœur de cible de la littérature vernaculaire. Et pour s'adresser à ce public, encore une fois, les textes d'inspiration religieuse renoncent aux instruments de pensée les plus difficiles et les plus abstraits, et ils compensent cette sorte de mutilation en se constituant une poétique propre fondée sur les pratiques de la poésie vernaculaire. Non pas des citations, comme nous l'avons vu dans les sermons que nous avons vus, que nous avons étudiés au moins en partie, mais une assimilation, un amalgame. Et la poésie de langue vulgaire, sous des formes qui, encore une fois, n'en font pas la poésie des simples, sert à donner une forme de simplicité à un discours qui, sinon, serait abstrait et complexe. Alors, je le dis là en très mal et en bafouillant, et de façon, et moi-même de façon trop abstraite, mais j'en donne un exemple. Le simple processus de la traduction parvient à ce résultat. Et je prends pour exemple des paraboles de Saint Bernard. Voilà, mon cher Saint Bernard. Nous avons de Saint Bernard cinq paraboles écrites pour ce qu'il appelle lui-même des paraboles écrites pour l'édification de ses moines. Ce sont des paraboles, c'est-à-dire que, comme on disait savamment à la grande époque de la théorie littéraire, ce sont des allégorèses et pas des allégories. L'auteur ne dégage pas le sens allégorique d'un récit préexistant, comme dans l'exégèse scripturaire, comme dans un sermon, comme dans la lecture universitaire de la Sacra Pagina, mais il compose de toutes pièces un récit qui possède un sens second au-delà de son sens littéral.
pour nous, cela va de soi, c'est ce que nous appelons communément et à tort la littérature allégorique, quand nous parlons par exemple de la littérature française. Par exemple, le roman de La Rose, c'est une allégorèse. Donc, Saint-Bernard invente des récits qui se prêtent à un sens second, comme le Christ le fait avec ses paraboles. Mais chez Saint-Bernard, le récit est d'une la plus grande simplicité. Il ne cherche pas du tout à tenir le lecteur en haleine. Il est là pour créer le sens littéral, puisque dans le cadre de l'allégorèse, ce sens ne préexiste pas antérieurement, mais c'est le sens allégorique tiré de cette littéralité très sèche qui fournit l'essentiel du développement. Le récit chez Saint-Bernard est une sorte de sec canevas qui à la fois donne un peu de vivacité au texte et est là pour donner, je ne dirais pas du piquant, mais pour frapper l'esprit. Pour frapper l'esprit, comme le ferait un exemplôme, mais d'une façon en fait un peu plus élaborée. Or, deux de ces cinq paraboles ont été traduites en français. Cette traduction française, j'ai étudié autrefois, se trouve donc dans un manuscrit de la bibliothèque Mazarine, donc j'avais déjà parlé pour un autre texte, manuscrit 788, et ça commence comme un roman, un roi noble, riche et puissant était, il y avait un roi, etc. Bon. Et il réunit deux paraboles de Saint-Bernard qui ont en commun effectivement de mettre au début en scène un roi. La parabole des filio regis, du fils du roi, et la parabole des tribus filiabus regis, les trois filles du roi. Et réunissant les deux, l'adaptation française accroît ainsi, mais accroît au prix d'incohérence, nous allons le voir, la consistance et l'intérêt du récit qui devient un véritable petit roman. Mais, enfin, et là, je paraphrase un peu ce que j'écrivais il y a plus de 40 ans, la cohérence entre les deux parties, puisqu'il l'adaptateur coud deux paraboles ensemble et qui sont tout à fait indépendantes. La cohérence reste tout à fait imparfaite. Ce n'est pas très étonnant, puisque c'est un conte de fées édifiant qui demande la cohérence à un conte de fées, et ce sont deux textes différents. Mais tout de même, le lecteur français lit ce texte comme un seul récit dont il attend en principe une certaine un suivi et une cohérence, puisque le fils d'une part et les trois filles d'autre part sont les enfants du même roi, et que le récit dit, je vais d'abord parler du fils et après des trois fils, filles. Or, ce fils et ces trois filles ne sont pas du tout des personnages du même ordre. Ils ne le sont pas dans les deux textes de Saint-Bernard, mais c'est bien naturel, puisque ce sont des textes totalement séparés. Mais ils ne sont pas non plus dans l'espèce de petit roman qu'invente l'auteur français. Le fils, c'est Adam ou chacune âme de chrétien. Alors que les trois filles, ce sont les trois vertus théologales. Bon, c'est déjà... c'est peu cohérent. Mais il y a pire, c'est que dans la première partie, c'est-à-dire dans la première parabole de Saint-Bernard, on voit bien ces trois filles, les vertus théologales interviennent déjà, mais elles ne sont pas les filles du roi. Espérance est un sergent du roi, c'est-à-dire un serviteur, charité est un haut personnage de sa cour, et foi, c'est un cheval. Parce que le fils du roi, donc, c'est Adam ou chacune âme de chrétien. Donc, comme Adam ou chacune âme de chrétien, le fils du roi désobéit à son père et quitte la perfection du royaume de son père. Et ensuite, il faut aller
le récupérer. Et alors, Charité dit au père, bon, on ne va pas le laisser comme ça, il faut quand même aller le récupérer. Sergent, c'est le serviteur chargé d'aller le récupérer et qui, en le retrouvant, le fouette cruellement. Et Foi est le cheval qu'il ramène à la maison. Logique. Logique, sauf que dans la suite, on voit les trois filles du roi, et les trois filles du roi, c'est justement Foi, Espérance et Charité. Et d'autre part, chacune des deux parties, donc chacune des paraboles de Saint Bernard, se termine par le récit, enfin le récit, si on peut dire, chez Saint Bernard, du siège d'un château par les forces du mal. Mais les deux sièges, malgré leur parallélisme, n'ont pas du tout la même signification. Et l'auteur le montre en signalant à la fin de la première partie, correspondant à la fin de la première parabole de Saint Bernard, que la prise du château entraînerait la mort du fils du roi, c'est-à-dire la mort de l'âme. Alors que dans la seconde partie, le château est bien conquis par le diable, mais ça n'empêche pas une reconquête et une restauration. C'est que dans la première partie, le château, c'est une vertu, c'est sagesse qui renferme l'âme, c'est-à-dire qui donne refuge au fils du roi. Et donc, l'âme dépend de la sagesse. La prise du château, la disparition de la sagesse, entraîne sa mort. Dans le deuxième cas, le château, c'est l'âme elle-même, dont le diable chasse les vertus, foi, espérance et charité. Et les vertus le réinvestissent ensuite. Donc, dans le premier cas, l'âme, c'est la vie d'une personne chrétienne, considérée à la fois dans son individualité et comme un tout organique, menacé dans son existence même, dans sa vie même, la vie de l'âme, et donc menacé par le diable, par le malin. Et dans le deuxième cas, l'âme, c'est un espace topographique, c'est un lieu, c'est le château, et un espace qui sert de champ à la lutte des vertus et des vices. On retombe dans le cadre classique de la psychomachie. Donc, encore une fois, dans les deux paraboles, très bien, mais en les réunissant telles quelles, le récit devient tout à fait incohérent. Or, ce n'est pas que l'auteur français n'intervienne pas, qu'il ne modifie pas profondément le texte de Saint Bernard, mais il ne modifie pas sur ce point. Il l'orne, il accentue le côté romanesque, le côté amusant, si on veut. Le suspens du récit. Dans l'adaptation française, la cohérence de la pensée théologique et morale n'est plus l'essentiel. Le type d'intérêt auquel il est fait appel chez le lecteur s'est déplacé. Et la pilule édifiante est enrobée de sucre romanesque, c'est d'ailleurs pour la faire passer. Et alors qu'elle soit indigeste ou non, cohérente ou non, ça n'a plus d'importance. Et je parle ici d'un effort délibéré et qui a en un sens son habileté. Et pas, je ne dis rien, il y a quelques contresens, mais pas beaucoup. L'adaptateur comprend bien le texte de Saint Bernard et ces contresens, d'ailleurs, peuvent être attribuables à une faute du manuscrit qu'il avait sous les yeux. Par exemple, à un moment, il y a le mot Praedo, le brigand, le voleur, qui désigne le diable. Et la traduction dit le père. Dans la parabole, le père, c'est Dieu. Donc, on ne fait pas plus grand contresens, n'est-ce pas ? Là où le texte dit le diable, la parole traduit par Dieu. Bon, comme ça, ça n'a pas grande importance. Mais il n'y en a pas trop, tout de même. Et alors, bon, j'en parle comme ça, vous me direz, là encore, ça m'amuse, ça m'amuse, c'est peut-être pas très amusant, mais enfin bon. Et à titre d'exemple, voilà le début des deux paraboles de Saint Bernard et le début des deux paraboles réunis en un seul récit dans la traduction française. Non, ça, c'est les choses qu'on avait vues.
Voilà, alors vous avez donc, vous avez sous les yeux le texte latin et je ne lis que la traduction, donc Rex Dives et Potens Deus, enfin c'est même le début pour moi, le style particulier de Saint Bernard, cette rhétorique qui disparaît dans le style toujours, le style français qui est un style de l'enchaînement narratif et non pas l'équilibre rhétorique. Rex Dives et Potens, Deus omnipotens, filium sibi fecit hominem, quem creavirat, qui sicut puero delicato, pedagogos delegavit, legem et prophetas, etc. Un roi riche et puissant, Dieu tout-puissant, se fit à lui-même un fils. Et vous voyez, la formule est bizarre, mais elle est théologiquement exacte. Et c'est quelque chose qui ne peut pas rester absolument tel quel en français. Là, ce sont les subtilités du symbole de Nicée-Constantinople, engendré, non pas créé, de même nature que le père, etc. Se fit à lui-même un fils, l'homme qu'il avait créé, auprès duquel il envoya comme à un enfant délicat des professeurs, la loi et les prophètes, et tous les autres tuteurs et autorités, jusqu'au temps fixé de son accomplissement. Il l'instruisit et le mit en garde en l'établissant maître du paradis et en lui montrant et promettant tous les trésors de sa gloire s'il ne se séparait pas de lui. Et pour qu'il ne lui manquât rien de ses biens, il lui accorda même le libre arbitre pour que le bien qui était en lui fût volontaire et non contraint. Et là encore, une remarque d'une très grande portée théologique qui met en jeu l'ensemble, mais enfin, qui met tout en jeu dans le christianisme. Ayant reçu la capacité de faire le bien et le mal, donc le fils, on ne sait pas, commença à se dégoûter de tout ce qu'il avait de bien par désir de connaître le bien et le mal. Étant donc sorti du paradis de la bonne conscience, à la recherche de choses nouvelles qu'il ne connaissait pas, lui qui jusqu'alors n'avait pas connu d'autre chose que bonne, ayant quitté les lois et les professeurs de son père, il mangea de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré l'interdiction de son père. Et, misérable, se cachant de la face de Dieu et la fuyant, l'enfant insensé se mit à errer par les montagnes de l'orgueilleuse hauteur, par les vallées de la curiosité, par les plaines de la licence, par les forêts de la luxure, par les marais des voluptés charnelles, par les fleuves des soucis de ce monde. Donc c'est à la fois, vous voyez, il y a à la fois le sens allégorique le sens anagogique, le sens eschatologique, c'est à la fois Adam chassé du paradis et, comme a très bien vu le traducteur, comme il dit, l'âme de chaque chrétien avec la destinée de l'homme pécheur qui est celle de l'enfant prodigue, cet enfant qui fuit son père et qui ensuite se retrouve misérable. Maintenant, voilà le début, je cite beaucoup plus brièvement, de l'autre parabole de Saint Bernard, qui est en fait la cinquième de la série. L'adaptateur français a réuni la première et la dernière. S'il les avait dans cet ordre dans les manuscrits, enfin j'avoue que je n'ai pas étudié la question. De tribus filiabus regis, rex nobilis et potens tres abuit filias, fidem, spem, caritatem, is delegavit civitatem eximiam, humanam animam, in qua cum tres sint arces, silicet rationalibilitas, concupiscibilitas, irascibilitas, unique qui suam contradidit, fidei primam, spei secundam, caritate tertiam. Les trois filles du roi, un roi noble et puissant avait trois filles, foi, espérance, charité. Il leur confia une cité précieuse, l'âme humaine, comme dans celle-ci, il y a trois forteresses, à savoir la faculté de raisonner, la faculté de désirer et la faculté d'éprouver. Il confia à chacune la sienne, à la fois
la première, à foi la première, à espérance la deuxième, à charité la troisième. Et vous voyez que, en plus, ce qui évidemment disparaîtra de l'adaptation française, la première parabole est une parabole théologique, hein, sur le péché et le libre arbitre. Enfin, qui a des implications philosophiques, mais dont l'angle d'attaque est théologique. Et tandis que là, la démarche est inverse. On arrivera naturellement à la théologie, mais l'angle d'attaque est philosophique. On dit qu'il y a eu un beau livre sur la philosophie de Saint-Bernard. Il y a une philosophie de Saint-Bernard, ce n'est pas un pur théologien. On part des trois facultés de l'âme, hein, la faculté de raisonner, de désirer et la sensation. Alors, à partir de ces deux textes, voilà le résultat, vous allez voir la différence de style même, dans l'adaptation du manuscrit Mazarine 788. S'y commence un sermon d'un roi qui ôte un fils et trois filles. Et alors, le 95, c'est. Enfin, je l'ai gardé là parce que dans ce manuscrit 788, qui est constitué d'une collection de sermons et de pièces et de textes moraux, édifiants, spirituels, ça, plus ou moins spéculatifs, certains un peu spéculatifs, mais totalement différents les uns des autres, ces textes sont numérotés comme s'ils se suivaient dans la continuité et comme s'ils avaient eux-mêmes dans leur totalité une sorte de cohérence, hein, comme si c'était un exposé qui se poursuivait. Donc, un roi, noble, riche et puissant était, qui avait un fils et trois filles. Du fils, nous parlerons premièrement, s'y diront des filles après. Le fils aimait molt l'hyper, c'est-à-dire que le père aimait beaucoup son fils. Vous voyez que le père est le cas sujet et le fils le cas complément. Le père aimait beaucoup son fils et moult le faisait vivre délicieusement. Il le doctrina et enseigna et instruit et apprit et fit seigneur de sa maison. Excusez-moi pour l'accent, c'est l'ordinateur les rajoute. Tant qu'un jour, il le mena à son trésor, ben là encore, c'est pas assez bien relu, non, et il lui commanda et lui dit que s'il ne trépassait pas son commandement, s'il n'allait pas au-delà de son commandement, et s'il ne le mettait pas en colère, s'il ne le courrouçait, qu'il lui donnerait tout et le ferait seigneur. Et il lui dit, ami, je t'ai appris, nourri, c'est-à-dire instruit, enfin j'ai fait ton éducation, et doctriné, et je t'ai donné un enseignement. Vous voyez, la répétition, qu'il n'y a pas naturellement chez Saint-Bernard, mais ce côté à la fois plus pesant et avec une mise en scène romanesque, un dialogue qu'il n'y a pas, correspondant à ce qu'on trouve à la même époque, au XIIIe siècle, dans les romans en prose, parce qu'il fait d'ailleurs leur différence de style avec les romans en vers de l'époque précédente, c'est qu'il y a volontiers cette sorte de saturation du récit qui conduit à des redites. Il arriva et il salua le roi et il lui dit « Roi, je te salue », etc. Donc là, c'est le même principe stylistique et le même principe de narration. Donc, ami, je t'ai appris, nourri et doctriné. Oh, fais que franc de telle libéralité, encore des fois. Agis à la fois noblement et librement à partir de la générosité que j'ai eue à ton égard, que celui bien que je t'ai montré et enseigné te plaise tenir les puées par grâce, ou laissier ce que tu veux par force. Alors, si le bien que je t'ai montré, que je t'ai fait apparaître, que je t'ai enseigné te plaît, si les biens que je t'ai montré et enseigné te plaisent, tu peux les conserver par la grâce, ou bien, si tu veux, tu peux les laisser par la force, violemment. Ce Père, c'est notre Seigneur, le Fils, c'est Adam ou chaque âme de chrétien,
Le trésor, c'est le royaume du ciel que chacun peut avoir s'il veut bien ne pas courroucer Dieu son Père. Et cette explication donnée immédiatement correspond au style des sermons qui, vous rappelez, les sermons de Maurice de Sully, on a vu, paraphrase de l'Évangile, et puis on explique à quoi ça correspond. Mais quand le Fils eut pris poesté de bien faire ou de mal, donc il fut dans la puissance, il eut le pouvoir, il fut entré en possession du pouvoir de faire le bien ou le mal, s'il commencèrent molt à ennuyer les délits qu'il avait eus, les plaisirs qu'il avait eus jusque-là commencèrent à lui peser beaucoup, et il se dit que maintenant il connaissait suffisamment le bien. Or, apprendrait du mal. Maintenant qu'il avait appris le mal, il apprendrait le mal pour savoir ce que c'était. Donc, sont ici les fils du paradis, donc le fils sorti du paradis de bonne conscience, donc on donne l'explication tout de suite, cherchant de nouvelles choses qu'il ne savait pas, car il ne savait rien d'autre que le bien. Or, alors, le misérable se cacha et s'enfuit des yeux, loin des yeux de son père. Le fou commença à se perdre dans les montagnes d'orgueil, par les vallées de curiosité, par les campagnes, par les plaines de licence, par les bocages de luxure, par les bouts de délits, de plaisirs charnels et par les fleuves de soucis de ce monde. Ce sont les mêmes images que chez Saint-Bernard, mais vous voyez que là, leur coloration est un peu différente. Donc, on voit pourquoi l'adaptateur a réuni ces deux paraboles, parce que les débuts sont symétriques. « Rex dives et potens », Rex nobilis et potens, dans les deux les deux paraboles dans les deux paraboles de Saint Bernard. Il est parti du parallélisme entre le roi père d'un fils et le roi père de trois filles, parallélisme tout à fait superficiel. Il n'a pas tenu compte du sens. C'est que chez saint Bernard, ce sens constitue l'essentiel et il est immédiatement donné. Rex dives et potens, Deus omnipotens, filium sibi fecit hominem quam creaverat. Rex nobilis et potens, tres abuit filias, fidem spem caritatem. On est fixé. L'habillage romanesque, si on veut, du sens littéral, est presque tout de suite oublié. Bernard donne tout de suite la clé de l'identité réelle des personnages ou des lieux, de leur sens. Mais c'est cet habillage romanesque qui retient l'adaptateur français. Il part de lui, il considère que puisqu'il y a un roi qui a des enfants, c'est le même roi, c'est les enfants sont sur le même plan. Et il supprime, au contraire de son adaptation, les formulations théologiques et philosophiques de saint Bernard, par exemple, les considérations sur le libre arbitre, par exemple, les considérations sur les facultés de l'âme. Et même lorsqu'il est fidèle à son modèle, eh bien, cela donne une coloration différente. Vous voyez, les paysages du vice à la fin du passage cité, du passage de la parabole 1 que j'ai lu, on reçoit de l'original à sa traduction une coloration différente. Et leur peinture est plus imagée, alors que c'est presque la même chose dans la traduction. Alors bon, peut-être que ma lecture est trop impressionniste, peut-être que cette impression n'est-elle pas fondée. Mais il me semble que venant à la fin du développement de saint Bernard, qui est abstrait, malgré la mise en scène du roi et de son fils, le paysage, les vallées de curiosité, des forêts de luxure, etc., reste abstrait lui-même, et que la métaphore n'empêche pas
le sens abstrait, c'est-à-dire le nom et la définition des vices, n'empêche pas ce sens abstrait de l'emporter sur la représentation imagée d'un élément du paysage. Et au contraire, dans le texte français, cette phrase conservée telle qu'elle, traduite littéralement, mais s'inscrivant dans un développement, dans un récit beaucoup plus concret, dans un récit concret, paraît plus imagé. Et le lecteur voit davantage le paysage et ses accidents naturels, il est moins attentif à la signification morale des vices énumérés. Et pourtant, cette adaptation, moins habile que l'original, est incapable de conserver l'ambiguïté entre le concret et l'abstrait, par exemple, de l'expression « montes altitudinis », dit Saint Bernard, « les montagnes de la hauteur », c'est-à-dire de hautes montagnes, mais des montagnes qui sont les montagnes de la hauteur, c'est-à-dire de l'orgueil, qui ont cité d'abord, puisque l'orgueil est la racine de tous les vices, c'est le péché qui a entraîné tous les autres. Et elles sont rendues simplement par montagne d'orgueil. Donc là, en un sens, c'est plus abstrait. Ben, les montagnes de hauteur, c'est drôlement dit, mais enfin, ce sont de hautes montagnes. Tandis que là, on vous dit tout de suite ce que c'est. La hauteur, c'est la hauteur de l'orgueilleux. Et de même, l'adaptateur français, toujours avide de représentations concrètes et de récits pittoresques, étoffe les descriptions, en particulier à la fin de la parabole, qui correspond à la fin, puisqu'il les enchaîne, il les coud ensemble, à la fin de la cinquième parabole de Saint Bernard, la parabole des trois filles du roi. Lorsque, et là c'est la fin totale ça, pour l'ensemble, lorsque foi, espérance et charité ont repris la cité de l'âme et libéré libre arbitre, le grand prévôt de la cité, comme dit le traducteur, qui était prisonnier des vices. Évidemment, le libre arbitre permet de faire le bien et le mal, mais les vices avaient investi l'âme, donc le grand prévôt était au service des vices. À ce moment-là, un repas célèbre cette victoire. On est vainqueur et il y a un banquet. Alors, le texte de Saint Bernard se termine sur l'évocation rapide de ce repas, qui est aussi frugal et austère que symbolique. Et l'adaptation française, pour sa part, montre de deux façons qu'elle s'adresse à un public à la fois moins savant et plus intéressé par les réalités profanes. D'une part, elle développe et explicite le sens spirituel de façon à le rendre plus clair et en le fondant sur des citations scripturaires, à la manière d'un sermon. Ce sens qui pour Saint Bernard va de soi, c'est pas peine d'y revenir, là, toute la parabole en parlait, là, il faut bien le faire entrer dans la tête. Et d'autre part, l'adaptation française décrit un véritable festin tel qu'on en trouve dans les romans courtois, un festin égayé par les divertissements des musiciens et des jongleurs, par les danses, par des jeux, et puis pendant deux feuillets encore, on décrit la restauration de la cité, le travail du grand prévôt et de chacun de ses sergents pour rebâtir les murs, etc. Et je vous donne, alors malheureusement j'ai été paresseux, je n'ai pas ressaisi le texte, et j'avais présenté, là encore il y a bien longtemps, dans ma thèse, ce passage avec la longue adaptation française d'un côté et le bref texte de Saint-Bernard qui est son départ de l'autre. J'ai fait un montage, mais j'ai peur que ce soit illisible. C'est pas terrible. Bon. Donc, vous voyez, chez Saint-Bernard, c'est extrêmement court. Là. « Preparantur filiabus regis domus sue, emense ponuntur congruae, pardon, congruae. » On prépare les filles du roi, on leur prépare leur maison, et on apporte les mets qui conviennent. On ne dit pas si on a beaucoup. Les mets qui conviennent, c'est pas grand-chose. In mensibus quipe fidei panis ponitur doloris
et aqua angustiae et cetera penitentiae fercula. Dans le plat de la foi, eh bien, on pose le pain de douleur et l'eau d'angoisse et d'autres aliments de pénitence. Non, c'est austère. Voilà. In mensa spei panis confortans et oleum exhilarans faciem, etc. Consolationis fercula. Dans le plat, enfin, ou sur la table d'espérance, on pose le pain qui réconforte et l'huile qui réjouit le visage et d'autres mets de consolation. La foi, bon, on croit, mais du coup, on n'est pas rassuré, surtout si le libre arbitre n'a pas fait ce qu'il devait. Mais l'espérance rassure. In mensa caritatis, panis vitae, et vrinum letificans, et omnes delicie paradisi. Et sur la table de la charité, le pain de vie et le vin qui réjouit et toutes les délices du paradis. Donc, la plus grande des trois, c'est la charité, comme dit saint Paul. À ce moment-là, on est au-delà de l'espérance. La foi et l'espérance passeront, mais la charité demeurera, dit la fameuse hymne à la charité de l'Épître aux Corinthiens. Et là, on voit dans le texte de saint Bernard que cette compréhension exacte du passage, c'est-à-dire qu'une fois, la foi et l'espérance sont une attente. Donc, évidemment, après le retour du Christ et à la fin des temps, il n'y aura plus d'attente. Donc, il n'y aura plus de foi et d'espérance, puisqu'on n'y aura plus de foi, on saura. Il n'y a plus d'espérance, on y sera. Tandis que la charité, elle, ne passe pas, parce que la charité est Dieu lui-même. Et donc, sur la table de la charité, il y a les espèces, le pain et le vin, le pain de la vie et le vin qui réjouit, et toutes les délices du paradis. Iam regrediantur et epulentur et custodiam citatem, donc ils reviennent, ils mangent, ils gardent la cité, sed nil dominus custodierit civitatem frustra vigilat qui custoditeam, mais si Dieu ne garde pas la ville, c'est en vain que veille celui qui en a la garde. Si on a... Et alors, vous voyez ce que ça devient dans notre petit roman français. Puis commandent les trois filles au roi que les tables soient mises, car il y avait longtemps que leur mesnil, leur suite, n'avait pas mangé sinon le pain du péché. La table de foi a été mise pour ceux qui espèrent en Dieu. De cela, David dit dans le psautier, « Il est bien heureux celui qui met en Dieu son espérance. » Et il dit encore, « Mettez votre confiance dans notre Seigneur et il vous nourrira et il vous délivrera de tout beau. » Et sur la table de foi, on a mis le pain de douleur et l'eau d'angoisse. Alors, il a dû se tromper, parce qu'il confond un peu foi et espérance, puis il passe à espérance ensuite, où il veut développer en mélangeant le tout. Alors, il revient à Saint-Bernard, on a mis le pain de douleur, l'eau d'angoisse, c'est-à-dire le repentir de des péchés commis et les autres nourritures qui sont de pénitence. Là, il suit. Bon. Sur la table d'espérance a été mis le pain de réconfort, l'huile qui réjouit et tous les autres mets qui réconfortent l'âme et les vertus. En la table de charité, on a mis le pain de vie éternelle, le vin qui réjouit et qui réconforte l'âme et qui l'enivre du vin de l'ivresse de contemplation, du vin de l'ivrogne de contemplation. En cette table sont mis tous les mets qui sont à la haute cour du paradis. Bon, alors là, c'est Saint Bernard, bon, à peu près. Bon. Or joue, or fête, ils font la fête. Or maintenant ils jouent, maintenant ils font la fête, maintenant ils chantent, maintenant ils dansent, maintenant ils se réjouissent et se bondissent à travers les rues de l'âme. Non. Donc, alors, description de la fête et
et de la topographie de l'âme. C'est une vie, on se répand dans la ville en chantant, en dansant, ce sont les réjouissances populaires, c'est un aspect bal du 14 juillet. Or, vielle, et ils jouent de la vielle, ils jonglent, ils jouent de la flûte, ils font de la musique, ils mènent entre eux, en ce lieu, dans la cité, grande mélodie. Car grâce avait ordonné que chacun jouât de son métier, donc jouât de son instrument, ou enfin pratiquât le divertissement qu'il connaissait, pour récréer et réjouir la cour des vertus qui sont en l'âme. Donc la ville est reconquise et c'est une cour seigneuriale dans laquelle se déroule un festin. Quand ils eurent mangé, qu'ils se furent récréés et renforcés, qu'ils eurent repris un peu de force, alors Madame Grâce ordonne que les trois filles du roi aillent en leur tour, chacune en la sienne, et à tous les sergents, à tous les serviteurs, que chacun aille à l'office qui lui avait été ordonné avant la destruction, et que chacun prenne peine de réparer ce qu'ils avaient perdu par leur paresse. Alors chacun fait des efforts, se donne du mal pour bien faire et reprend des forces. Et donc voilà, bon, déjà c'était trop, enfin vous avez vu ça, mais si nous avions le temps de lire tout le texte, nous verrions dans le détail et à chaque instant comment les développements abstraits de Saint Bernard, qui sont eux-mêmes à peine colorés par une ébauche de récit et de mise en scène vite oubliés, se transforment donc dans cette espèce de petit roman, là je vous disais à la fin, mais le tout est sur ce ton. On lit un petit roman. Et comme on peut s'y attendre, l'auteur français, en même temps qu'il amplifie le texte et développe l'argument narratif, simplifie le sens spirituel. Enfin, il le complique aussi, parce que comme son récit est incohérent, on ne s'y retrouve pas dans le sens spirituel, puisque ça n'a en fait ni queue ni tête. Mais en même temps, il le simplifie et il le réduit à une sorte de moralité, alors que Saint Bernard aborde même les questions morales dans une tonalité à la fois mystique, eschatologique et philosophique. Cependant, et justement parce que ce sens spirituel est simplifié et a l'intention d'esprit plus simple, moins formé que les moines auxquels s'adressait Saint Bernard, à l'intention desquels il écrivait ses paraboles, son développement est amplifié lui aussi. Il est explicité, il est répété, il est appuyé sur des citations qui aident à le comprendre et à le retenir. Et là, c'est quelque chose... Vous voyez, je m'attarde sur des bêtises, je n'aurai pas le temps de vous dire des choses plus importantes et plus intéressantes, mais c'est quelque chose qui est caractéristique d'une certaine façon de l'art littéraire en langue vulgaire au Moyen-Âge. C'est un art qui pratique très volontiers l'amplification, mais en se trompant sur le sens de l'amplification. L'amplification, chez Quintilien, dans l'institution oratoire qu'ils connaissent, c'est une intensification. Ça ne consiste pas à allonger, ça peut même consister à raccourcir, mais ça, c'est s'exprimer de façon plus intense, plus frappante, plus violente. Et Quintilien donne comme exemple, il dit si une veuve qui a des amants, si on appelle cette veuve qui a des amants une prostituée, eh bien c'est une amplification. C'est pas plus long, au contraire, c'est plus court de dire une prostituée que de dire une veuve qui a des amants. On la condamne davantage, on ne se donne pas la peine d'expliquer la situation. La pauvre, elle est veuve, vidoie, vide, ce qu'on entend donc, elle comble, si je puis dire. Non, c'est une prostituée. Mais pour le Moyen-Âge, l'amplification, c'est l'allongement. Voilà.
eh bien, c'est ce procédé que pratique notre adaptateur en profitant des quelques éléments concrets de ces paraboles pour écrire son petit roman. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de la façon dont, dont ces traités et ces sermons à lire en français adaptent leurs propos à leur public. Toute cette littérature que j'avais appelée dans ma thèse, parce que j'étais jeune, encore près de mes études, que j'avais appelée la prédication dans un fauteuil, comme le théâtre dans un fauteuil de Musset. Des textes qui se présentent comme des sermons, mais qui n'étaient pas probablement destinés à être prêchés, qui étaient destinés à être lus, n'est-ce pas ? Eh bien, ces traités, ces sermons à lire, adaptent leurs propos à un public qui n'est pas un public de simple, qui n'est pas un public d'ignorants, qui n'est pas un public de pauvres, hein, puisque c'est un public qui sait lire, qui a accès à ces manuscrits, à des manuscrits qui sont des collections, de ces sermons à lire et de ces traités édifiants, qu'il les fait copier, qu'il les possède peut-être, qu'il peut les lire ou qu'il ait les moyens de se faire lire, mais qui n'est pas non plus un public intellectuellement ou spirituellement formé, sinon il lirait en latin. Un public intermédiaire et souvent, on le voit dans les sermons, dès qu'il s'adresse à un auditoire précis, un public féminin, ce qui explique que ce public est à la fois des intérêts intellectuels, en somme, et des intérêts religieux, les dames sont plus pieuses, hein, mais qui ne sachent pas le latin. Hein. Et donc des dévotes nobles ou aisées, des béguines, souvent on a l'impression, des femmes qui vivent dans la mouvance d'un couvent et qui s'astreignent à en suivre les offices sans être des moniales, donc des dames souvent aisés qui, devenus veuves, comme ça, finissent leurs jours à côté d'un monastère en participant un peu, un peu ou beaucoup à la vie conventuelle. Je vous avais dit déjà que c'est quelque chose qui se pratiquait et qu'on le voit justement dans le roman Dévastée de Blackern de Raymond Lulle, auquel je faisais allusion, auquel j'ai déjà fait allusion, je ne sais plus quand, la dernière fois ou celle d'avant. Où, après avoir élevé Blackern, qui sera le véritable héros du roman, le marchand Evast et sa femme Alon se retirent tous deux au monastère, mais Evast se fait vraiment moine, tandis que Alon s'installe à côté d'un couvent de femmes, comme ça, suit les offices, mais ne se fait pas réellement nonne. Donc, et alors, ce public, ce intermédiaire, ce public particulier auquel s'adressent ces textes, eh bien, on le retrouve ailleurs. Et on pourrait même appliquer l'analyse à l'intérieur de l'œuvre d'un seul auteur qui réunit en lui à la fois Saint Bernard et son adaptateur. Et c'est justement, je parlais d'Evast et de Blackern, le meilleur exemple serait Raymond Lulle. Raymond Lulle compose son opus magnum, un énorme traité de logique, qui est une œuvre théologique, philosophique, et essentiellement logique. En latin, c'est une œuvre extrêmement difficile, c'est une œuvre qui a intéressé les philosophes ultérieurs. Leibniz s'est beaucoup intéressé à la logique de Raymond Lulle, et toute cette pensée est faite pour inventer une machine à penser, justement une machine logique, qui, une fois qu'on la mettrait en route, démontrerait l'existence de Dieu. Alors, si ça marchait vraiment, on le saurait, mais ça ne marche pas exactement. Mais enfin, c'est ça la grande œuvre de... Vous savez,
Raymond Lulle, enfin bon, était un jeune, enfin il a vécu très vieux, mais il a vécu nonagénaire pratiquement. Enfin, au début il était jeune comme tout le monde, et un jeune noble majorquin. Son père avait participé à la conquête de Majorque avec le roi Jaume, et il menait une vie de comme ça, de jeune poète. Il était troubadour, il composait des vers, et il était amoureux d'une dame de Majorque, tellement amoureux qu'un jour il l'a vue dans la rue. Il l'a suivie, elle est entrée dans l'église, il est entré aussi en oubliant que lui, il était à cheval, n'est-ce pas, ce qui a fait son mari. Et un jour, la dame lui a donné rendez-vous le soir. Et alors, bon, il y est allé, ça, il s'est fait beau, il y est allé, et une fois en sa présence, voilà que la dame découvre sa poitrine. On était déjà tout. Et il voit que cette poitrine était rongée par une sorte de chancre hideux. Et elle lui dit, voilà ce qu'est cette chair que tu désires. Et alors il est rentré chez lui, ça l'a marqué quand même, et il est tombé malade, et le Christ en croix lui est apparu 5 fois en 3 semaines pendant qu'il était malade, et il a fini par obéir aux ordres que lui donnait le Christ, et il a fait plusieurs vœux. Alors d'abord de se convertir au sens de l'époque, de vivre selon les préceptes de l'Évangile, voilà, dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance au commandement de l'Église, d'inventer un système qui démontre la vérité de la foi chrétienne, d'apprendre l'arabe pour convertir les infidèles, et de créer un couvent où on apprendrait à la fois l'arabe et son système pour convertir les infidèles. Ça, rien n'a très bien marché. Mais enfin, alors, il était un peu illuminé, il a fait des études, il a été élève à ce moment-là de Saint-Raymond de Peignafort, le dominicain, mais il était plutôt lié aux franciscains, il a étudié à la Sorbonne, enfin à la Faculté de théologie de Paris. Il a persuadé le roi de Majorque de créer son couvent où il y avait quelques franciscains qui apprenaient l'arabe. Lui-même avait appris l'arabe, il avait acheté un esclave sarrasin pour... mais l'esclave, en comprenant qu'il apprenait l'arabe pour convertir les infidèles, a essayé de l'assassiner, mais enfin, bon, ça n'a pas envie. Et, enfin bon, il a essayé, il est allé voir le pape, tout le monde, pour lancer des croisades. Il était quand même un peu fou, donc on l'écoutait gentiment, mais ça allait. Le dernier vœu, c'était de mourir martyr. Alors, il est allé une fois à Tunis, enfin, une première fois, il a envoyé ses bagages, puis au dernier moment, il a eu peur, il n'est pas monté sur le bateau, mais enfin, il a pris le bateau suivant, il est arrivé, il a prêché dans Tunis, où on l'a mis à la porte sans le tuer, donc c'était raté. Et il est possible qu'il ait été effectivement lapidé à Bougie, c'est pas probable, c'est pas absolument sûr, et il était à peu près nonagénaire. Voilà. Mais oui, mais je vous ai raconté ça déjà. Je me répète. Bon. Et je suis vraiment gâteux, hein, je raconte. Bon. Et mais oui, alors, vraiment, pardonnez-moi, hein, c'est irrécupérable, ce sera. Bon, enfin, il raconte tout ça dans la. Mais lisez la Vita Coetanea, c'est très amusant. Mais enfin, bon. Donc, il a écrit effectivement cette œuvre logique. Qui est effectivement une œuvre, bon, ça marche peut-être pas, mais qui a une profondeur de pensée à la fois philosophique et logique. Et puis, à côté de ça, il a écrit une multitude de traités, quelquefois en latin, mais souvent en catalan. Beaucoup ont été traduits en français de son vivant ou tout de suite après, enfin donc à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Et dans ces traités, et puis ce fameux livre des Vases et de Blackern, et ces traités donnent à la fois une sorte de cadre narratif et de représentation concrète de sa pensée logique. Par exemple, il dit, voilà, quand j'étudiais à la Sorbonne, enfin à la Faculté de Paris, un jour, là, d'étudier, je suis allé me promener dans une grande forêt qui se trouve aux portes de Paris, etc. C'était sur... Enfin, on peut voir où c'était, sur l'emplacement du jardin du Luxembourg, il dit à peu près. Et dans une clairière, j'ai vu près du... Il y avait un bel arbre qui ombrageait une fontaine et une dame qui pleurait près de la fontaine. Je me suis approché, je lui ai dit, madame, pourquoi pleurez-vous ? Et
elle m'a dit, parce que je suis philosophie d'amour et que les hommes me négligent au profit de ma sœur, philosophie d'intelligence. Ah, ah, et alors expliquez-moi ça. Eh bien oui, je vais vous expliquer. Vous voyez, l'arbre qui embrasse cette fontaine, c'est l'arbre de philosophie d'amour. Et alors chaque feuille de l'arbre, dans les manuscrits, c'est illustré. Il y a une miniature, on voit l'arbre, et chaque feuille est un concept. Voilà. Ou alors chaque branche, chaque concept, puis des rameaux, enfin les concepts dérivent les uns des autres. Et alors, philosophie d'amour manipule les concepts et montre que la philosophie d'amour, c'est très bien. Et ou de même dans le livre du gentil et des trois sages, où on convertit le gentil avec les concepts de l'arbre. Bon. Eh bien, dans une œuvre comme celle de Raymond Lull, on voit réunis chez la même personne, mu par vraiment j'ai honte de mettre rapidement, mu par ce désir apologétique profond, hein, on voit ce souci d'un habillage romanesque de la pensée théologique et spirituelle. Et alors ça donne son œuvre est énorme, hein, difficilement lisible parce que il est comme moi, c'est très répétitif. Hein, et en particulier, c'est répétitif même dans le traité logique parce que le principe de la démonstration de l'existence de Dieu, c'est qu'on peut combiner chaque concept ou chaque qualité de Dieu avec chacune des autres. De sorte qu'à la suite, on a la totalité. Et une fois qu'on a la totalité, la machine doit s'enclencher, les qualités passer d'une à l'autre, et ça doit marcher tout seul. Alors on dit, la grandeur va avec la bonté va avec ceci, etc., puis on répète indéfiniment. Enfin bref. Mais excusez-moi, je me suis couvert de ridicule une fois de plus à la fin de cette séance. Et la prochaine fois, nous passerons à une forme de médiatisation différente. Une façon de parler à la fois au simple et des simples qui laisse supposer que le texte qu'on a sous les yeux exige un relais entre lui et les simples. Ce qui n'est pas le cas dans, par exemple, l'adaptation de Saint-Bernard que nous avons vue, où c'est fait pour être lu directement, un public moins évolué que celui des moines, mais qui n'est pas un public vraiment simple. Et là, nous verrons quelque chose de différent avec un ultime exemple qui sera celui de Gerson. Mais encore une fois, pardonnez-moi d'avoir pataugé comme ça aujourd'hui. Enfin, c'est de la faute, c'est pas de ma faute, mais c'est sans intérêt. Mais je reviens tout juste d'Arabie Saoudite, je suis fatigué, c'est un pays fatigant. Bon. Et je vous remercie. Et